Flow. La musique, c'est pas que le hip-hop, c'est beaucoup de choses. On peut faire du hip-hop sur du classique. Sur... Donc j'avais déjà cette ouverture d'esprit déjà à la base. Après, vu que je suis quelqu'un de speed, je tiens pas en place. Moi, la house, ça me parlait. La première fois que je vais en boîte, c'est Hakim d'État d'âme qui me fait rentrer en soirée. Et là, les portes s'ouvrent, des cercles de partout, des babas, des U qui éclataient les cercles. Il y avait Iso, Papi, type, c'était chaque fois qu'il passait dans le cercle, t'avais un coup de chaud. C'était comme si tous les vendredis, j'étais au paradis. Dans un club qui s'appelle Warehouse à Chicago, bah, la house est arrivée, quoi, est née. Avec des beats qui venaient de boîte à rythme. Vu que les gens souffraient du disco, du côté de disco, maintenant c'est interdit, c'est mal vu, c'est la drogue, c'est pas bien, c'est le diable pour beaucoup. Du coup, ils avaient besoin de liberté. La house music, c'était ça. C'est-à-dire que tu pouvais venir de n'importe quelle origine, de n'importe quel mouvement de danse, d'expression artistique, et tu étais le bienvenu dans la house. Et c'est de là qu'après la house music, elle a évolué jusqu'à aujourd'hui, tu la vois, il y a plusieurs formes. Hein. Quand j'organise les premiers battles de house à la Défense, en fait, ce qui se passe, c'est que t'as des danseurs qui jouent le jeu, donc qui viennent, et t'as une autre partie des danseurs qui se disent « Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Il est en train de dénaturer les choses. » J'ai su des critiques « Ouais, mais toi, t'es ceci, t'es cela, tu viens d'arriver, etc. » Les gens savent pas que moi, je danse depuis 97, ils me voient juste vite fait en soirée. En fait, ils dansaient bien, mais ils n'avaient pas les bases. Et il disait, ouais, mais moi je défonce tout, je fais des trucs sur les genoux et tout. Et les gars, ils ne calculent pas. Je dis, bah ouais, mais les genoux, c'est pas assez, tu vois. Donc ce que tu fais, travaille tes basiques et puis machin, comme ça, tu auras le même langage qu'eux. Et en plus, tu auras tes phases en plus. Donc là, ils pourront plus parler. Let's go! Le JD, il faut savoir que c'est une préparation. Il y a une pression avant, il y a une pression pendant. Il faut danser déjà plus grand et il faut faire beaucoup, beaucoup de shows. La fois où j'ai été le plus loin, je l'ai fait avec Steve. En demi, je crois, hein, quand on est tombé contre Baba et Mamé. Et là, carrément, bah, c'est des mecs que je regardais quand j'allais en boîte. Que voilà, j'étais fan, on va dire, hein, je vais pas mentir. Hein. Et aujourd'hui, bah, je suis sur scène avec ces trois personnes, en fait, tu vois. Ouais, danser devant des gens comme ça, déjà en boîte, c'est quelque chose parce qu'il faut les tenir. Dans un battle, je raconte même pas parce que les gars, ils vont mettre 100% de ce qu'ils font. Surtout quand ils savent que tu peux quand même répondre. Là, c'est quelque chose, c'est sérieux. Avant, c'est très clubbing, il n'y a pas de battle. Moi, j'ai commencé dans les clubs de hip-hop. Donc forcément, nous, dans les clubs de hip-hop, il fallait s'imposer et s'imposer dans un cercle. C'était des défis, c'était pas des battles. Il n'y avait pas de jury. C'était je viens, je m'impose, quelqu'un vient, je danse avec ou contre. Et voilà. Maintenant qu'on arrive dans les clubs de house, bah nous on garde le même état d'esprit. Et puis il y a des gens qui nous ont dit, non, la house, c'est plus l'échange, c'est plus ça. Par contre, je vais au Japon, je vais dans un club de house, les Japonais me défient. Donc je me dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? Je vais à New York en 2000, je vais dans un club qui s'appelait Sapphire. Et dans ce club, j'étais avec Baba, Ludo, Mich et moi-même. Et ce jour-là, bah, on s'est fidé avec Brooklyn Terry et Link et d'autres. Donc, comme dit, la house dance, il n'y a pas de défi. Bah, moi, mes premières rencontres avec des gens qui font de la house, c'était pimenté un peu, toi. C'est qui le meilleur ce soir? C'est qui le meilleur? C'est qui qu'on va retenir? C'est qui? C'est quoi?
Je m'appelle Serge Lopez, je suis un peu comme Son Goku. Je me tape que quand je sens qu'il faut, tu vois. J'y vais pas comme ça. Et puis j'aime bien me taper quand je sais que les gens qui sont en face de moi sont plus forts que moi. C'est ça qui m'a toujours intéressé. Cette espèce de challenge où, tu sais, t'as des mecs qui se disent là depuis 30 ans, et toi t'arrives depuis à peine 3 années, et on vous voit avec le même niveau. Alors que tu sais très bien qu'au foot, ça n'existe pas. Quand t'es cadet, tu vas pas te comparer à un pupille. C'est ridicule. Même les arbitres, ils vont pas tolérer ça. Bah, par contre, en danse, si les évolutions, tu peux pas les gérer parce que ça dépend de l'état d'esprit de la personne. Donc du coup, c'est vrai que moi, je suis arrivé avec un état d'esprit assez vif. Donc je m'entraînais jour et nuit. Donc très vite, j'ai rattrapé le niveau des gens qui disaient qu'ils avaient 15 ans de plus que moi. Du coup, moi, j'étais effaré. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous avez galéré pendant 15 ans en fait? Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps en fait? La house dance, c'est simple. C'est la quintessence de toutes les danses en même temps. C'est une danse à la base sociale. Donc du coup, tu reviens sur pourquoi j'ai commencé. C'est parce qu'à la base, je voulais danser avec mes amis. Moi, je rentre dans la house, je rentre pour danser. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand tu commences à donner cours et quand tu commences à discuter, tu commences à découvrir qu'il y a une culture et qu'il y a un état d'esprit. Après, je deviens DJ. Après, il y a la culture musicale. Maintenant, tu dois apprendre tout ce qui est musique. Old school, new school, deep house, broken, tous les styles de house. Maintenant, ce que je dis toujours, c'est que nos corps physiques peuvent partir, mais la culture, elle va rester. Donc maintenant, toi, en tant qu'être, si tu veux léguer quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose pour la culture et c'est ce qui va permettre que ton nom y reste. Je croise Babson dans une convention de fitness. Babson qui vient donner un cours, il dit « Ouais, j'arrive avec de l'Afro House et tout. » Et en fait, on avait les mêmes disques en commun. Il y avait un événement qui s'appelait le Cycle Underground. Il m'a proposé, il a monté ça avec Jaggy et d'autres personnes. Et il m'a proposé d'être DJ de la catégorie House. Là, il me permet de faire danser des gens, mais pas n'importe qui, des danseurs. Et là, je vois le spectacle, des trucs que à la base, je voyais à la télé ou sur Internet qui commençaient à se développer. Il s'est passé quelque chose, je me suis senti à ma place. Je me suis senti exister. Baba, c'est quand il part, c'est une partie de ma jeunesse qui s'en va en fait. C'est-à-dire quand tu étais vraiment activiste, tu faisais les choses, il allait être de ton côté parce que tu étais là pour le hip-hop en fait. Faut savoir que Baba et Iso, c'est les deux seuls mecs qui m'ont ouvert les portes pour me donner les bases quand tout le monde me crachait dessus et me disait « Ouais voilà, t'as pas les bases, t'es pas encore un house dancer, blablabla, tu connais pas, etc. » C'est quelque chose moi qui m'a touché. Il poussait les gens, Baba. Baba, c'était un showman, c'était un nerveux des fois, et moi je le calmais, je faisais ouais, mais moi aussi j'étais nerveux, lui aussi me calmait, toi, pour mettre vraiment les points sur les i et les barres sur les t et la sauce sur le riz. ça c'est les phrases du frère. Quand on est à New York, quand on se défie avec les New Yorkais au parc, les New Yorkais sont là, vas-y venez et tout, là, tu sais, il y a une ambiance très pesante. Où on sait pas avec qui on est, on voit des gens avec des impacts de balles, des torses nus, avec des locks comme ça. Moi je suis là, je tremble, mais lui il me regarde, je le regarde, il me dit t'sais quoi, vas-y nique sa mère, et il y va, tu vois, je veux dire, et il y va, il rentre dans le cerf. Ah, moi c'est un truc que jusqu'à aujourd'hui, je me dis, si on inverse, moi je l'aurais jamais fait. Son mindset, il était trop... Les gens ils disent que j'ai une mentalité assez pesante sur les gens des fois, mais lui, laisse tomber. Et de toute façon, ça sent, quand ça sent qu'il est pas là. Toi. Et les petits pics qu'il avait à lancer, qui faisaient que c'était Baba, c'était justement pour dire hey, toi t'as un talent, mais t'as vu là, t'as une connerie que tu fais qui t'empêche d'avancer. Voilà la connerie. Il te la met devant le fait accompli. Et pour que tu puisses bien l'encaisser, il te la met devant, pour certaines personnes, il te la met devant toi en public. Bon, il y a des gens avec qui il s'est froissé, qui l'auront jamais compris, qui comprendront jamais parce qu'ils ne veulent pas être honnêtes avec eux-mêmes. Ou sinon, tu vas prendre les remarques. Et si tu les as compris, ça va faire de toi un virtuose.